gaucher, Laurent Robert, qui évite de ce ballon. Bloc de but important, Casagrande est battu. Montpellier mène 1-0, 4e but cette saison en championnat pour Robert. C'est Montpellier, ils doivent maintenant pousser, réagir. Lefebvre pour Bakayoko, attention à Pignol qui passe à travers Bakayoko, lui vient tromper Michael Landreau. Quelle erreur de Pignol, mais en tout cas Bakayoko lui marque là son 6e but de la saison. L'ouverture de Lefebvre, Pignol qui contrôle ce ballon et qui glisse là. Bakayoko, opportuniste, vient donc tromper Michael Landreau. 2-2 entre Montpellier et Nantes. Soit Sauzé et ça passe pour l'égalisation en force. Joie de Franck Sauzé et rage également à la manière William Prunier. Premier pénalty transformé de la saison par Montpellier. Côté gauche, Rizzetto face à De Croix qui accélère. Il peut centrer la talonnade de Bakayoko et le pied droit de Philippe Delahaye pour l'ouverture du score face à Michael Landreau. Montpellier mène 1-0 après 13 minutes de jeu. Pour ce qui est sa première occasion, Philippe Delahaye lui marque son premier but de la saison. Superbe accélération de Rizzetto. Et cette équipe de Montpellier prend donc l'ascendant. Philippe Delahaye, obligé de sortir de la surface temporisée, centré. Landreau détourné de quoi. Et c'est Rizzetto qui surgit, pied gauche à l'affût. Derrière, trois défenseurs nantais pour doubler la mise à la demi-heure de jeu. Landreau trop court ici. Montpellier qui mène donc 2-0 de jeu et deuxième corner consécutif pour Laurent Robert. Et c'est Franck Sylvestre qui s'élève pour son 5e but de la saison, le 3e de la tête. L'égalisation méritée des Montpellierains parce qu'ils ont abordé cette seconde période et bien à toute vitesse. La tendance s'est inversée et Franck Sylvestre s'est élevé pour égaliser. Les joueurs montpellierains qui attaquent ici avec Delahaye qui est passé. Delahaye avec Maoulida, Delahaye tout seul et c'est l'ouverture du score après 25 minutes de jeu dans cette rencontre. 6e but cette saison pour Philippe Delahaye qui devient le meilleur buteur montpelliérain après un rush spectaculaire. Il a failli se gêner ici avec toi Philou Maoulida, mais ça passe et Montpellier mène 1-0 face au Football Club de Nantes Atlantique. Maouvé puis Delahaye, il y a Timothée, il y a surtout Garny pour son premier but de la saison. L'explosion, la joie pour Garny et pour les Montpelliérains. 3-0 face au Football Club de Nantes Atlantique. Ce sera le score final et on attend la réaction bien sûr de Louis Nicolin. L'opération maintien est en route pour Montpellier. Récupération pour Maoulida. Il y a Maouvé. Maouvé qui frappe et c'est le but. Le 2-0 au retour des vestiaires. 10 minutes de jeu. La joie pour Maouvé qui a inscrit son 2e but de la saison dans les bras de Michel Mézy. Mais regardez bien la frappe de Maouvé. Elle est détournée au passage par Nicolas Savino.
Pour le Montpellier.